D'un côté, des enfants de 8-12 ans. De l'autre, des sciences et des techniques. Vous mélangez tout ça avec vigueur et vous avez subitement devant les yeux le deuxième sujet de Cité-Vision qui commence. Et le mélange est étonnant. Ouah ! Ça, c'est un tricératops. Oui. Qui est là. Très difficile à construire. Ah bon, t'en as bavé ? Ouais. Là, c'est une maquette de fusée Ariane. Là, c'est l'homme de Cro-Magnon qui est là. D'abord, avant de faire ça, on fait un brouillon, l'histoire. Et ensuite, quand on a bien ses idées, bah, on commence la BD. Bon, c'est l'histoire dans une ville sous-marine, un cataclysme se produit. Un homme réussit à s'en sortir. J'ai un peu repris des choses d'un feuilleton qui s'appelle l'homme de l'Atlantide. Mais si Pierre, 10 ans, en CM2, est créateur de BD, il sait aussi prendre la place du directeur du muséum et grossir 40 000 fois une puce. Ça, c'est un microscope électronique à balayage. Et ça sert à observer des préparations, à grandir, à rechercher, à explorer. Les robots, Pierre adore. Et puis, ça a un moteur. Au rayon jouets des grands magasins, les 8-12 ans n'en croient pas leurs yeux et lèvent le nez vers les étoiles. Numéro 1, hit parade, l'informatique. Ses fans sont très organisés. On s'informe sur les nouveautés, direction un magasin de jeux électroniques, on choisit sa cassette et on joue. Véronique a un ordinateur rue Rago, chez elle. Deux fois par semaine, ses copines viennent partager sa passion. Attention, c'est parti! On fait des jeux, on s'amuse. En même temps, on apprend, parce qu'à l'école, on en fait. J'aimerais bien devenir, faire de l'ordinateur, de l'informatique. Moi, j'aimerais bien être dactylo. Oui. Parce que maintenant, c'est qu'à l'ordinateur. Hein. Oui, moi, presque. Oui. Moi, pareil que Françoise. Pour l'instant, ce qu'il y a dans l'ordinateur, c'est des petites puces. Bientôt, ça sera des neurones. Enfin, pas bientôt, mais... Aider les enfants à comprendre, à observer, à manipuler, c'est l'objectif des promoteurs de RECAD. Alors, maintenant, ce qui peut être amusant, c'est d'essayer d'attraper un objet avec le bras. Bon, alors, d'accord, tu as rétabli l'inclinaison. Tout doucement. Vas-y. Oh, c'est génial, regarde, t'en avais attrapé deux en même temps. Hein. Bon, maintenant. Mais non. Ah bah attends. Température 6 et 4 et 8. Donc on voit, par exemple, aussi, que Le Havre, il est dans une zone qui est moins de soleil qu'à Bordeaux. Par contre, il fait plus chaud. Ça, c'est bizarre, ça. Non ? Au CES Guimauquet de Cocriauville, Magali, élève de 5e, rattrape ses retards en lecture à l'aide de l'ordinateur. On lit vite, au fur et à mesure, ils prennent notre vitesse de lecture, et après ils effacent, ils nous donnent les résultats. On s'amuse, parce que des fois on répond mal, et puis ça sonne. Partante pour les sciences, nos chères têtes blondes, à condition de jouer, de rêver, d'imaginer. C'est vrai que la Terre est ronde. Bah bien sûr que... Pose pas de questions idiotes, s'il te plaît.